Ok, son. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « Comment réinventer la coopération et la solidarité internationale de demain ?» avec des témoignages et des regards de jeunes engagés français et de diasporas africaines. Donc, moi, c'est Oriane, je travaille à EED, Engagée et Déterminée, vous pouvez voir sur mon t-shirt. On est une association qui est le réseau des associations jeunes et étudiantes de France qui font de la solidarité internationale et ce qu'on appelle de l'ECSI, de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc aujourd'hui, on a souhaité inviter autour de cette table ronde des associations du réseau EED afin de valoriser le regard des jeunes associatifs en particulier de France et de diaspora d'Afrique pour avoir vraiment leur regard sur l'avenir de la solidarité internationale et notamment des relations entre Afrique et France. Donc, nous serons donc en présence de Jonas, de Génération Lumière, de Clara et Anouk, de l'association Carabine Montpellérienne, de Valérie, des Amis du Creuset, et si on est rejoint, par du coup Christine et Gabriel, du projet Les Champs au-delà des frontières, d'Ingénieurs sans frontières Montpellier, qui sont actuellement au Maroc, donc peut-être qu'elles ont des difficultés à nous rejoindre en visio. Et Mode, du coup, de aider également, volontaire pour l'Occitanie, du coup, posera des questions et vous serez invité aussi sur la fin à poser des questions aux jeunes associatifs engagés si vous le souhaitez. Du coup, pour introduire les échanges, on souhaitait vous montrer en fait une vidéo issue de notre dernière production sur la solidarité internationale en temps de crise vue et vécue par les jeunes et plus particulièrement un extrait de vidéo qui portait sur le partenariat et le renforcement de la place des partenaires locaux pour voir ce que la crise du Covid a permis pour réesquisser déjà les contours de la solidarité internationale de demain. Donc voilà, on va commencer par vous montrer cette vidéo et après on échangera avec les jeunes. Solidarité, vraiment une solidarité, ou si le projet était plutôt
et un projet français en fait. Parce que si tu as, je vais insister sur ça, mais si tu as un partenaire local à qui tu fais confiance et qui, à qui tu as essayé de transmettre les compétences nécessaires, ton projet ne devrait pas s'arrêter. Avec les membres de l'association Personne à vie, c'est une partie des gestes de la parole. Et bien sûr, je vais avoir cette mission de solidarité internationale. On n'avait pas bien fait des exercices parce qu'ils sont là, on faisait confiance, on les a envoyés l'argent. On les a envoyés l'argent. Donc, vous allez faire la fin de la mission. Tous ensemble, vous avez des idées. Puis, tu auras des écoles dans toutes les portes. On doit mettre des portes dans les écoles pour faciliter quoi. Voilà, si vous voulez voir la vidéo en entier, c'est sur le site et les réseaux du coup d'engagés et déterminés. On va passer maintenant aux questions, notamment à cette vidéo et pour aller un peu plus loin. Du coup, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais m'occuper de poser les questions du coup à nos associations ici présentes. Je vais commencer par toi, Jonas, d'abord. On vient de te voir dans la vidéo et j'aimerais bien savoir un peu plus quel a été du coup, comment avez-vous réinventé du coup la solidarité internationale et la place des partenariats. Tu le disais justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu peux? Vas-y, je t'en prie. Merci pour la question. Comment on a réinventé la solidarité internationale. Déjà, à la création des Générations Lumière, on a mis cette philosophie en place que ça ne soit pas des gens qui sont en Europe, qui se déplacent pour aller sauver les mondes. On a mis des membres sur place en Afrique, que nous travaillons d'égal à égal, c'est nos membres de la même association. Aussi, il y a des partenaires locaux, parce que nos membres ne peuvent pas travailler dans tous les domaines, ils ne maîtrisent pas tout. On doit travailler avec d'autres personnes pour élargir notre capacité à mener nos missions. On s'est fait confiance, on collabore ensemble. Des fois, les projets sont construits par nos membres qui sont en Afrique et des fois co-construits avec nos partenaires. Ils construisent les projets, ils nous présentent, nous, on cherche le financement à partir d'ici. On n'a pas besoin de se déplacer, on se fait confiance, c'est quelque chose qu'ils ont besoin, c'est leur besoin, ils nous présentent les projets pour améliorer leur quotidien. On dit, ok, on vous fait confiance, vous nous faites confiance, on vous envoie l'argent. Et après, on voit les résultats positifs qui s'améliorent du jour au jour. Du coup, au final, la crise du Covid ne vous a pas vraiment arrêté et vos projets n'ont pas été forcément stoppés par ça? La crise Covid, comme toute association, ça nous a impacté. Comme toute association, ça nous a impacté sur les plans financiers et sur les terrains aussi. Parce que non seulement qu'en France, on était confiné, on a des membres qui sont en République démocratique du Congo, d'autres qui sont au Burundi et au Rwanda. Il n'y avait pas moyen qu'ils se déplacent, qu'ils changent des frontières pour traverser de l'autre côté. Et pendant le confinement, non seulement qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu aussi l'inondation dans la région où nous agissons. Il y a des écoles, des maisons, beaucoup se sont écoulées. On s'est dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des associations humanitaires qui ont fait leurs activités. On dit, nous ne sommes pas une association humanitaire. On ne peut pas juste donner des boîtes de conserve pour que les gens mangent de leur faim, mais on doit faire quelque chose qui doit rester un peu longtemps pour aider plusieurs générations. D'accord. Et pour mettre même les projets en place, on a envoyé l'argent pour réhabiliter les portes d'une école. Avec nos membres, c'est, oui, ça nous a imparti parce que ça a pris quand même du temps pour que nos membres qui sont au Burundi et nos partenaires qui sont au Rwanda pour se mobiliser, traverser la frontière et même réunir les fonds ici en France, c'était un peu difficile. Tu as parlé du coup de la différence un peu humanitaire, solidarité internationale par rapport à ce que vous faites. Est-ce que peut-être tu peux revenir pour toi sur cette différence et qu'est-ce que c'est pour toi et pour ton association Génération Lumière, la solidarité internationale? Et en quoi c'est pas pareil que les projets humanitaires sur place? Alors, les projets humanitaires sont des projets d'urgence. En cas de crise, en cas de quelque chose, c'est vraiment des projets d'urgence. Ce n'est pas des projets de solidarité internationale qui portent sur les progrès d'une société ou le développement d'une communauté à une autre. C'est un peu ça que je mets la différence entre l'humanitaire et la solidarité internationale. Parce que la solidarité internationale se base sur des crises. Si l'inégalité de quelque chose, voire même l'injustice, c'est un peu ça la différence pour moi. Voilà.
Très bien, merci. Et du coup, on passe à vous, les filles, toujours dans la même chose. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place avec cette crise du Covid et vos partenariats locaux, qu'est-ce qui vous a... Notamment, ça fait 2 ans que vous n'avez pas pu justement faire votre projet sur place. Donc, peut-être un peu nous parler de cette situation-là. Oui. Bonjour à tous. Du coup, juste, je reviens un peu sur le projet pour expliquer. Donc, nous, avec Lara, on fait partie de l'association Carabine Montpellier-Rennes. Donc, on est étudiante en médecine. Donc, nous, on n'a pas du tout une association solidaire ou quoi. C'est vraiment le bureau des étudiants qui a une branche échange dans lequel on a ce projet solidaire qui est de partir au Togo depuis 2 ans pour aider dans un village une association qui s'appelle Espace Otsi et contribuer à la fabrication d'une école, etc. Donc ce projet n'a pas pu se faire avec la crise sanitaire, personne n'est parti. Et donc avec la crise du Covid, bien sûr, toutes les facs fermées, on était bloqués, on pouvait plus rien faire, quoi. Donc on s'est posé la question avec notre ancienne et l'association, quels étaient les besoins pour eux. Et donc ils nous ont dit, nous, nos besoins, c'est d'avoir de l'argent pour la construction de cette école qui traîne déjà depuis 2 ans. Donc on nous a donné un certain budget qui était élevé, que bien sûr en tant qu'étudiante on ne peut pas apporter tout ça, mais du coup on a essayé de réfléchir à comment trouver cet argent par nos propres moyens, quoi. Et donc on a monté ce qu'on appelle le Stand Togo maintenant, qui est qui est mensuel du coup tous les mois à la fac. En fait, on récolte les vêtements des gens dont ils ne veulent plus et on les revend sur Vinted. Vous avez dû entendre parler de cette application sur laquelle on revend nos vêtements qu'on ne veut plus, mais qui sont encore utilisables, quoi. Et ensuite, cet argent servira, du coup, pour le projet. C'est aussi un stand qui est sympa à la fac, un truc un peu étudiant. On vend des gaufres, on vend des canettes de soda. Enfin, voilà. Donc, même si on ne pouvait pas agir sur le terrain, on leur a demandé, c'est toujours ça, ce que disait Jonas, c'est ne pas s'imposer, mais demander quel est le besoin pour y répondre. Et c'est ça, pour moi, du coup... La solidarité, c'est pas tiens, regarde, on peut t'aider, c'est non, toi, est-ce que t'as besoin d'aide et on répond à ce besoin-là. Oui, mais alors, c'était leur projet de base, enfin, c'était pas notre projet, et nous, on est juste là pour aider à côté, pas forcément pour tout faire. On est là, une petite aide, quoi. Et avoir la chance de partir pour les aider à construire. Mais ils peuvent se débrouiller sans nous. Voilà, évidemment, du coup, c'était le projet de l'association directement au Togo, et vous avez décidé d'y participer. Ok, très très bien. On va peut-être passer sur le sommet Afrique-France qui a eu lieu hier, le sommet officiel, et toute cette semaine. Les premières questions à vous dresser, à vous toutes, même à toi Valérie, si tu veux commencer, ce serait plutôt, quelle est la place des associations de solidarité internationale dans ce sommet? Qu'est-ce que tu en as pensé? Toutes ces questions-là, est-ce que la coopération internationale, au final, est-ce qu'elle est seulement étatique, comme on a pu voir hier avec le sommet officiel et les politiques, ou pas du tout? Alors, je pense que cette coopération internationale, les associations, en fait, elles jouent quand même un rôle assez important. Et c'était peut-être aussi quelque chose à constater hier, le fait qu'il n'y avait pas tant que ça d'associations, de personnes, aussi engagées sur les plans démocratiques, etc. Alors que dans certains pays, c'est plutôt ces personnes-là qui vont jouer un rôle clé. Il y a des pays où, au niveau étatique, il n'y a pas grand-chose, en fait, des fois, qui sont faits pour les populations. Et c'est concrètement les personnes, voilà, les gens un peu comme vous et moi, qui vont agir. Et c'est dommage qu'à un cadre international comme ça, ces personnes ne sont pas toujours mises en avant. Et je trouve que hier, ça a manqué. Mmh. Ok. Tu as peut-être des choses à dire. Jonas, toi, tu as participé hier au sommet, tu étais là-bas à l'Arena, et du coup, donc tu as pu voir qu'est-ce qui s'était passé, et donc du coup, qu'est-ce que, selon toi, tu penses qu'il y a manqué niveau associatif ou même tout court, qu'est-ce qui t'a un peu... Waouh, beaucoup de questions posées en même temps, je vais essayer de répondre. Réponds une par une si tu veux. Ouais. Déjà, on doit savoir c'est quoi la coopération internationale. C'est une collaboration entre, premièrement, c'est déjà une collaboration entre les États. Et sur la scène internationale, il n'y a pas que les États comme acteurs internationaux. Il y a également des acteurs non étatiques, tels que les associations, plusieurs organisations, même des personnes morales, privées et morales, qui sont des acteurs des relations internationales. Et sur les sommets hier, il y a beaucoup de choses à dire sur les sommets. Déjà, j'ai remarqué les virages qu'a pris ces sommets, celui d'appeler les sociétés civiles et les jeunesses africaines et françaises. Ça prend un peu de l'ampleur à la place traditionnelle des chefs d'État. Mais il y a encore plusieurs choses sur la représentation des sociétés civiles. Donc, nous avons remarqué
que les sociétés civiles, ils étaient représentés physiquement dans la salle, mais ils n'ont pas participé au sommet. La participation au sommet, même la répartition des paroles, ce n'était pas équitable. Les sommets étaient co-construits par 11 à 12 personnes, et c'est 11 à 12 personnes qui ont pris la parole, parlé pendant 3 heures du temps, et n'ont donné la société civile, à la société civile qui agit quotidiennement avec ces gens, avec des personnes qui se sont en Afrique ou en France, ces gens, ils n'ont pas porté leur voix. Ils n'ont pas porté leur voix. Et je pense que ces sommets, ça ne change rien du tout d'habituel par rapport à ce qui existe déjà. Ça ne change rien du tout. Et par, même la répartition, ils ont appelé des élites. Mais franchement, appeler des élites, qu'est-ce que les élites s'intéresse réellement sur les situations socio-économiques, voire même environnementales des peuples africains. P s'intéresse. Ils nous appellent des personnes qui viennent des États-Unis, ils ont fait des grosses études stratégiques. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ces femmes qui vendent des choses dans les quartiers, qui voient l'inflation monétaire qui grimpe du jour au jour? Qu'est-ce que ces femmes-là, ils peuvent parler, ils n'ont pas porté leur voix. Il y a des mouvements citoyens tels que Lucha, qui est un mouvement contre la non-violence au Congo. Il y a Filimbi au Sénégal, il y a Balai Citoyen, il y a des mouvements de jeunes engagés, mais ils ne sont pas représentés. Il y a des jeunes engagés qu'on connaît, que tout le monde connaît, même des médias connaissent, mais ces gens-là ne sont pas représentés. Ils ont appelé quelques personnes qui se connaissent, des personnes influentes sur les réseaux, par-ci, par-là, qui sont souvent médiatiques pour parler au nom de plusieurs personnes. C'est un peu déplorable, même pour les sociétés civiles qui n'ont pas porté leur voix. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés civiles, les réseaux associatifs, on est vu comme des réparateurs d'imperfections, des accords politiques, même des entreprises françaises et occidentales en Afrique. À chaque action, c'est pour réparer et non pour apporter un peu plus au progrès de l'humanité. C'est un peu déplorable. Merci. Est-ce que tu peux revenir sur les sujets qui ont été abordés hier, justement, au sommet officiel? Quelles ont été les demandes des personnes représentées, des jeunes, qui n'étaient pas si jeunes d'ailleurs, et quels sujets pour toi auraient dû être abordés et ne l'ont pas été, justement, pour le renouveau des relations Afrique-France et le renouveau de la solidarité de demain? Alors, les sommets Afrique-France, je ne crois pas que ce soit les Nouveaux Testaments de la France-Afrique qui était l'ancien. Plusieurs sujets, déjà je félicite même des personnes qui ont intervenu, ils ont abordé quand même des sujets intéressants sur la présence de des bases militaires françaises en Afrique, sur la responsabilité de la France, sur plusieurs sujets, que ce soit économique, le franc CFA, et même la responsabilité de la France par rapport à la situation du Sahel aujourd'hui, qui découle de l'événement en Libye suite au délogement de Muammar Kadhafi, qui est l'ancien guide libyen. Aujourd'hui, il y a les mouvements terroristes qui est un peu actif sur la région du Sahel. Et plusieurs sujets politiques ont été abordés, mais plus des actions sur la transition écologique, par exemple, ils n'ont pas abordé ces sujets. Sur la responsabilité des entreprises françaises qui violent beaucoup des droits fondamentaux en Afrique, que la France doit sanctionner d'ailleurs ces entreprises, que la France doit prendre des mesures par rapport à ces entreprises, ces genres de sujets n'ont pas été abordés. Je reviens sur la transition écologique. Aujourd'hui, la France, la transition écologique, c'est une bonne idée. La France veut mettre la transition, c'est une bonne idée. Je salue même cette idée, mais sa mise en application, c'est un peu critique. Quel genre de transition que nous voulons mettre en place? Une transition qui s'effondre sur les malheurs des autres, parce que les conforts de la France ou de l'Europe, on quitte le pétrole pour passer à l'électronique, c'est bien. Mais comment est-ce que nous allons mettre? Je prends juste l'exemple des téléphones portables ou des ordinateurs et des voitures électriques qui ont causé plus de 6 millions de morts en République démocratique du Congo, des femmes violées, des enfants exploités commercialement dans le mine, que sais-je, des autres pays africains. Ces genres de sujets, on n'a pas abordé. Vous voulez mettre une transition en place? OK, faites une traçabilité des minéraux qui proviennent d'Afrique. Reconnaissez les crimes d'écocide. Il y a plusieurs sujets qui n'ont pas été abordés pour moi, je trouve vraiment, même pour des femmes africaines qui vendent, qui voient l'inflation monétaire grimper, même sur les soutiens, la collaboration de la France avec certains États africains qui soutiennent des groupes armés rebelles dans d'autres États. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées pour moi. Ces sommets doivent être refaits. Ça doit être refait. Un sommet de plusieurs jours, on les résume dans un seul jour, ce n'est pas du tout un sommet. C'est juste un coup politique
je suis vraiment désolé pour ça. Très bien, merci. Est-ce que par rapport à ce genre de sujet, ou plutôt maintenant, comment améliorer justement ça, les relations avec France et puis même la solidarité de demain, comme on disait, est-ce que par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait réellement qu'ils se mettent en place, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, on parle maintenant aussi beaucoup de solidarité, de réciprocité, notamment justement de, au lieu de faire des échanges nord-sud, très clichés, des très riches qui vont dans les pays très pauvres. Est-ce que vous avez des idées justement sur les améliorations, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Est-ce que, Je pense qu'une des premières étapes, c'est aussi de commencer à mettre en avant des acteurs africains locaux, tout simplement. Et je pense que le festival le fait très bien. Ça fait vraiment plaisir de voir des musiciens africains, des acteurs, des artistes. Je pense que c'est aussi très important de montrer l'Afrique sous un nouveau jour, parce que c'est aussi un continent magnifique, énorme, avec énormément de talents. Et je pense que c'est aussi important de créer en Europe des espaces où on montre aussi la belle Afrique, en fait, tout simplement. Et de mettre aussi en avant des acteurs du terrain. Pas les grands politiques, comme tu disais, ceux qui sont allés faire des études en Europe et qui, des fois, ne connaissent même pas non plus la réalité du terrain, mais vraiment, voilà, les gens qui sont en proximité avec le droit. Nous, on travaille avec des acteurs de la protection des droits des enfants au Togo, et je trouve ça désolant que ces personnes-là, avec qui, moi, je travaille depuis 2 ans, ne soient pas un peu plus mises en avant, soient moins connues, tout simplement, alors que leur travail est tout à fait remarquable. Donc, des espaces comme ça, comme aujourd'hui, on en a, où on peut partager, parler d'acteurs africains, je pense que c'est déjà un premier pas vers la solution. D'accord. Au sujet, par exemple, des échanges, on parlait beaucoup, du coup, je viens de parler des échanges nord-sud qui sont le plus présents et ce qui a été vraiment depuis le début de la solidarité internationale. Maintenant, on parle aussi d'échanges sud-sud, donc de personnes, donc de, par exemple, de volontariat qui se passe dans les pays du sud pour les pays du sud et ce genre de dynamique. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions qui irait vers justement qui tendrait vers une plus belle Afrique, comme tu disais, ou quelque chose qui mettrait en marche une nouvelle dynamique et qui permettrait vraiment de commencer le développement et plus ces clichés-là? Est-ce que Pourquoi pas? Parce qu'on a souvent des mouvements de jeunes, par exemple, qui vont en Afrique mettre en place des projets. Mais c'est rare de voir des jeunes africains venir en France et proposer quelque chose. Alors que je pense que, des jeunes en Afrique, au Togo, au Congo, au Mali auraient aussi un regard intéressant sur certaines problématiques. Et c'est, réfléchir à d'autres dynamiques. Et même entre les pays du Sud, en utilisant ce terme-là. Mais parce que peut-être que les jeunes togolais comprennent tout à fait, peut-être mieux que des jeunes français, ce qui se passe, au Bénin, etc. Donc, créer aussi une dynamique entre les pays, ça peut être quelque chose, en effet, qui réponde à ces problématiques. Est-ce qu'un mot à dire, je te vois hésitant. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, les problèmes, c'est sur les mots Sud, Nord. Oui, franchement, la carte, la position de la carte. Oui. Qui place, qui au Nord, qui au Sud, comment vous la définissez aussi? Déjà, c'est une collaboration. Qui dit collaboration, c'est d'échange, échange en échange. Et non seulement qu'on vient chez vous, mais venez aussi. Pourquoi les ambassades françaises à l'étranger, ils refusent de donner à ces gens-là les visas? Ils peuvent aussi apporter un plus en France. Ils ont des choses, ils ont des expériences, beaucoup de talents, beaucoup de choses aussi à apporter. Il y a beaucoup de choses. La France n'est pas parfaite. Il y a des choses à améliorer en France. Ces gens-là, ils ont des capacités à venir en France. Et je pense que la solidarité internationale de demain, il faudra que la France, les ambassades françaises puissent donner des visas à ces gens-là et aussi des échanges entre des pays africains. Je pense que ça existe déjà, mais c'est peu visible. Ça existe déjà. Peu importe les domaines, mais ça existe déjà. Mais il suffit juste que ça soit un peu visible parce que le média n'en parle pas de ça. Est-ce que justement pour vous à l'ACM, est-ce que ces projets de solidarité internationale, est-ce que justement ce qui est important, c'est peut-être la rencontre avec, que ce soit un partenaire, mais aussi d'autres jeunes locaux dans cet apprentissage commun? Est-ce que c'est aussi pour ça que vous vouliez faire un projet? Oui, tout à fait. Mais par rapport à ce que vous disiez, moi, la solidarité, enfin, je pense que Clara est d'accord, enfin, tu me diras. Je pense que pour nous, la solidarité internationale, ça se résumerait presque en 3 mots, qu'on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, mais ce serait humilité, échange et remise en question. Et comme tu dis, comme Clara a commencé à dire tout à l'heure, c'est que les gens dans le village dans lequel on va aller n'ont pas besoin de nous. Il y a des maçons, il y a, je sais pas, tous les métiers du bâtiment, ils existent là-bas, ils n'ont pas besoin de nous pour construire une école. Nous, on y va parce que
on nous a proposé ce projet et on est super emballés par l'échange, etc. Mais on va autant apprendre là-bas, voire peut-être même plus, ça va nous donner une belle leçon que l'inverse. Et c'est pour ça, humilité de ne pas se dire, nous, on va aller les aider parce qu'on a la connaissance, etc. Échange, parce que le type d'un échange, c'est que je te donne et tu me donnes quelque chose en retour. Et remise en question, c'est une fois qu'on va revenir, remettre en question tous les préjugés. Ben, ce qu'on a fait toute l'après-midi avec les ateliers, mais remettre en question tous les préjugés qu'on a sur l'Afrique la solidarité en général. Parce que là, c'est l'Afrique, mais il y a tous les pays qui sont concernés, quoi. Oui, bah, ce projet, justement, il se divise en deux parties. Il n'y a pas que la construction. Déjà, l'école existe déjà. C'est en fait la suite de la construction. C'est une bibliothèque et une classe, si on a l'argent suffisant. Et donc, ça se divise en deux parties. La première, c'est la construction. On va juste aider, en fait, parce qu'on va juste servir à porter des choses. Et la deuxième, c'est les activités qu'on va faire avec les enfants. Donc, on va avoir cet esprit d'échange culturel. Et donc, on sera à peu près 8 à 12 étudiants à partir. Et eux, ils vont là-bas dans l'optique d'apprendre des choses sur ce pays aussi. On n'est pas là pour leur apprendre leur culture, ils sont là pour nous apprendre la leur. Et peut-être, nous, un jour, on leur apprendra. Enfin, c'est vraiment un partage, quoi. Voilà. Et j'avais trop envie de rebondir sur le dernier mot que tu as dit de remise en question, parce que je trouvais ça hyper fort, parce que je pense que même nous qui espérons faire partir des jeunes au Togo, c'est hyper important aussi en tant que jeunes français qui veulent s'engager en Afrique, d'avoir cette conscience aussi du paradoxe qu'on représente. On est là ensemble, on est en train de parler de l'Afrique, on a envie d'aller aider au Togo par exemple, mais c'est hyper important en tant que jeunes engagés d'être conscient qu'on vient des fois d'un pays dont les actions ne vont pas toujours dans le sens du développement du pays où on est en train d'aider. Donc il y a vraiment aussi cette remise en question, cette humilité, et de comprendre aussi la complexité du contexte diplomatique, économique, qui peut entourer aussi toute l'action de solidarité internationale. Donc je trouve ça vraiment super. Justement, tout à l'heure, tu parlais des entreprises, parfois de l'exploitation des minerais. Est-ce que tu penses que parfois, justement, l'action française peut être contradictoire entre le financement des entreprises et à la fois le financement peut-être d'ONG locales ou de gouvernements locaux, et peut-être que développer là-dessus. Vraiment, j'ai l'impression que des fois, c'est comme si le gouvernement détruisait d'une main et puis d'une autre, on envoie des associations, des ONG pour réparer. Donc c'est aussi important en tant qu'acteurs qui avons vraiment à cœur le développement à ce niveau-là, d'être conscient de ça, d'être conscient qu'il y a un paradoxe et de pas juste venir avec des bonnes intentions, on veut aider, mais avoir aussi une action politique derrière. Si on a vraiment envie de permettre aux populations de prendre leur indépendance et de vraiment s'épanouir, il faut aussi une action politique. Il faut que le gouvernement, le pays d'où on vient, arrête certaines actions qui continuent en fait à creuser le tombeau dans certains pays de nombreuses personnes en fait. Et est-ce que vous pensez qu'en tant que volontaire aussi sur place, en tant que Français, on peut aussi faire plus de mal finalement que ce qu'on avait prévu de faire? Est-ce que par exemple, je pense au terme de volontourisme, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est important de combattre, de faire une solidarité autrement? Oui. Par rapport au terme de volontourisme, donc le volontourisme, enfin vous le définirez mieux que moi sûrement, mais c'est le fait de partir en se disant ouais trop chouette, je vais faire de l'humanitaire, mais en étant un peu touriste, etc. Et c'est justement on en a discuté beaucoup ce week, enfin là ces deux derniers jours, c'est la difficulté de comment dire pour recruter les étudiants. Nous en tout cas dans le cadre de notre projet, on va recruter du coup des collègues à nous étudiants en médecine, et la difficulté pour nous ce serait de leur présenter le projet et qui justement trouvent cette remise en question et cette humilité et de se dire ok je pars mais je vais aider parce qu'on m'a demandé un besoin et je vais pas là-bas parce que je suis supérieure, parce que c'est cool, c'est chouette, c'est un petit voyage d'un mois pendant l'été, etc. Je sais pas si ça répond à la question. Tu veux ajouter un truc, Jonas? Oui, après plusieurs choses ont été dites, mais ça, j'aimerais carrément rebondir surtout sur ce que Clara dit sur l'échange culturel. Déjà, c'est une bonne chose. La plupart des personnes qui quittent l'Occident pour aller aider ailleurs, pour aller mener des missions ailleurs, dans d'autres continents, par exemple en Afrique ou à Bangladesh, ils se disent ouais, on part sauver le monde, mais ils n'ont pas la notion d'apprendre aussi de l'autre. C'est eux qui doivent apprendre ma culture, qui doivent apprendre tout. Tu arrives dans une zone où personne ne parle français,
tu obliges carrément, s'il n'y a personne qui parle français, je ne vais pas intervenir. Mais pourquoi tu ne peux pas apprendre aussi la langue locale? Pourquoi tu ne peux pas apprendre aussi la culture locale? Il y a cette problématique-là qui est la plupart des volontaires qui partent, ils ne savent pas. Et pour revenir sur les volontarismes, également sur les départs, on part sauver les mondes, on prend des photos des petits-enfants. Oui, regarde les malheureux du monde, on poste ça sur les réseaux sociaux. On part sauver les mondes, on va les aider. Mais est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Ils sont des humains comme toi, ils ont des valeurs aussi comme toi. Et puis des missions d'une semaine, de deux semaines. Qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité? Des projets qui ne sont pas viables, ça va porter quoi à l'humanité? Ce genre de choses, ça mérite d'être banni carrément. Oui, totalement. Et du coup, est-ce que, plus généralement, vous pensez que la solidarité de demain, ce serait l'échange interculturel? Qu'est-ce qui définirait pour vous cette solidarité de demain? Est-ce que c'est l'échange interculturel? Qu'est-ce qui... Vraiment peut-être une égalité, un vrai équilibre, une remise en question aussi peut-être au niveau de l'Europe, un changement de mentalité. Nous, quand on met le projet, par exemple, de correspondance entre des étudiants et des enfants au Togo, c'est vraiment important pour nous de donner des connaissances concrètes aux étudiants. Je pense que voilà, dès lors que tu connais les enjeux, que tu es conscient, comme ce que je disais, du contexte diplomatique, politique, économique, etc., ton rapport déjà est différent. J'aimerais bien que la solidarité internationale de demain elle soit beaucoup plus consciente des réalités. Et je pense qu'en plus, l'engagement qui en découle est beaucoup plus durable, avec aussi une vraie volonté de s'intéresser à l'Afrique, à sa diversité, et de laisser tomber aussi un peu cette vision pessimiste du continent, et de vraiment être conscient de la chance aussi, de pouvoir partager avec l'autre, de pouvoir discuter avec lui, et de pouvoir aussi grandir avec lui. Est-ce que on a beaucoup parlé de solidarité internationale à l'étranger? Est-ce que Jonas, pour toi, la solidarité internationale, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en France, localement, et comment? Pour les personnes qui veulent peut-être s'engager, mais qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de partir. Alors, la solidarité internationale, on peut le faire aussi. On peut faire aussi la solidarité internationale en France, pas forcément à l'étranger. Déjà, définir déjà les cadres. Moi, si par exemple, je suis de Lyon. Je peux mener des activités de la solidarité, j'appelle ça la solidarité locale, à Paris ou à Lyon même. Il y a plusieurs choses même à améliorer ici sur place. Il y a des activités sur les droits humains, même sur la pollution. Il y a beaucoup de choses à mener sur place. On peut appeler ça de la solidarité locale. On n'est pas forcément obligé d'aller ailleurs et... Aussi, ces gens qui sont ailleurs, ils peuvent venir aussi mener des activités de solidarité internationale en France. Et tout à l'heure, en présentant EED, je disais qu'on était le réseau des associations de solidarité internationale et de CSI, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. À Génération Lumière, vous faites un peu ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont vos actions? Comment est-ce que vous sensibilisez les gens à ces questions internationales? Alors, sur les questions internationales, à Génération Lumière, c'est ce que nous faisons. Nous conscientisons déjà les gens parce que c'est une association de solidarité internationale et écologiste en question sur la problématique des numériques, l'utilisation des téléphones portables, des ordinateurs qui ont cette utilisation qui a des conséquences graves au Congo. Je rappelle que le Congo, c'est le deuxième poumon vert de la planète. Et après l'Amazonie, c'est le Congo, c'est la forêt du bassin du Congo. Si aujourd'hui cette forêt est détruite, c'est l'humanité qui va... Tu auras un peu du mal pour respirer. Et concernant des activités, même d'Alexis, on a déjà appelé un jeune qui a quitté le Congo pour venir ici en France pour sensibiliser. Il parlait un peu de ses activités, des choses qu'il fait sur place au pays. Et il est venu conscientiser sur la fabrication des charbons écologiques à base des déchets, des plastiques, des choses. Il fabrique des charbons écologiques à partir de ça. Et aussi, on essaie quand même de toucher la... une large population sur des questions que je parlais d'utilisation des téléphones portables qui n'est pas un besoin vital chaque année d'échanger son téléphone. Pourquoi aujourd'hui tu dois quitter, je ne sais pas si c'est, on a un iPhone combien déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. 1, 2, 3, c'est pas, on n'est pas obligé d'échanger chaque jour. Est-ce que c'est un besoin vital? Non. Ok, pourquoi tu l'échanges? Samsung, tu l'échanges, ce n'est pas important. Est-ce que tu es obligé d'avoir voiture électrique, Tesla ou quoi que ce soit? Tu n'es pas obligé de l'avoir. Et parce qu'il y a des conséquences, des humains,
qui perdent leur vie chaque jour, des personnes qui se déplacent, qui fouillent chaque jour, et lorsqu'ils vont venir en France ou en Europe, vous allez dire, ouais, ils nous envahissent. Oh, il y a ceci. Non, c'est des réalités. Vous voulez les conforts ici, il y a des malheurs là-bas. Donc, il faudra les supporter. Ou soit, améliorons les choses, travaillons d'égal à égal, évitons l'inégalité et pour que les choses s'améliorent. Merci beaucoup pour cette réponse. Ça revient à ce que tu disais sur la notion d'égalité et que la solidarité de demain, ce serait vraiment un pied d'égalité un peu partout. Merci beaucoup d'avoir répondu. Maintenant, on va peut-être laisser 5 minutes si le public a des questions à poser aux associations ou tout court, ou des remarques même, si vous voulez. Oui, je pense que donner un micro, si jamais. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Monsieur au fond. Bonjour, je suis handicapée, alors excusez-moi mon interlocution. Je ne vous sachais pas, en Afrique, il y a des fleurs qu'on n'a pas en Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un partenariat local pour par exemple, le Botox? Bon, on en parle dans la chirurgie esthétique, mais c'est quand même un médicament qui sonne contre les tremblements, contre toutes les... Moi, je suis infirme moteur cérébral, mais il y a des parkinsoniens. Donc, est-ce que cette fleur, vous pouvez pas la mettre en valeur? Et bon, il y a le problème du bobeux pharmaceutique aussi. C'est mondial. Mais je trouve qu'il y a des richesses africaines qu'on doit faire surgir, qu'on doit faire connaître au monde entier et que vous devriez pouvoir en bénéficier de vendre les bobos aux Occidentaux qui vous exploitent. Et secondement, je voudrais savoir si vous pouvez avoir des pièces d'occasion, parce que j'ai un ami qui travaillait au Niger et qui nous disait il y a 40 ans, le tracteur, on peut pas le réparer parce qu'on n'a pas des pièces d'occasion. Donc, ça nous paraît aberrant à nous qui sommes européens. Mais c'est tous ces petits riens qui freinent aussi le développement du continent. Merci. Tu veux peut-être répondre, Valérie, ou... En gros, de ce que j'ai compris, Madame mettait en exergue le fait qu'il y avait des fleurs, notamment le Botox qui était en Afrique. C'est ça, qui est utilisé en Europe, mais qui n'est pas utilisé en Afrique. Et le fait que ce n'était pas nécessairement mis en avant. C'est une remarque tout à fait pertinente que vous faites là, madame. C'est qu'il y a beaucoup de ressources dans ce continent qui ne profitent pas, malheureusement, aux premiers concernés. Et c'est aussi une dynamique aussi à mettre en place plus tard, de permettre aux Africains aussi en premier de pouvoir en bénéficier. Moi, je viens du Togo. C'est un pays particulièrement riche au niveau de son sol. Et c'est vrai que peut-être que les Français voient plus les conséquences des richesses du Togo que les Togolais eux-mêmes. Donc, il y a toute une réflexion aussi au niveau politique, au niveau de la société civile à faire, mais c'est aussi une bataille des Africains eux-mêmes au niveau politique et au niveau des gouvernements pour pouvoir aussi commencer dès maintenant à bénéficier plus concrètement des richesses du pays. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre personne? Attends. J'aimerais quand même rebondir sur la réponse de Valérie. Le problème sur les richesses africaines,
c'est un peu controversé parce que ce sont des entreprises, des multinationales, des entreprises occidentales qui partent exploiter là-bas. Ils sont protégés par des gouvernements sur place et des gouvernements soutenus par des gouvernements occidentaux. Et aussi, c'est un peu quoi le paradoxe, on peut dire, mais comment nous on veut chasser les entreprises sur place, on se bat contre, mais les gouvernements locaux les protègent. Après, les gouvernements occidentaux vont faire des leçons de morale et de philosophie. Ah oh non, c'est pas bien de violer les droits de l'homme, c'est bien, pas bien de faire ceci. Pourtant, vous les soutenez, vous leur fournissez des armes, vous leur faites tout pour combattre la population. Et vos propres entreprises qui exploitent là-bas, vous ne les sanctionnez pas. C'est un peu controversé la réalité. Mais il y a quand même une population sur place qui se bat chaque jour pour récupérer ses richesses et changer même les systèmes politiques. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que peut-être, donc on est désolé, l'association qui est au Maroc n'a pas réussi à se connecter, mais c'est un projet intéressant en miroir entre l'Afrique et l'Europe sur les questions d'agriculture qui renvoyait vraiment à ces questions de réciprocité. Donc elles vont passer plusieurs mois au Maroc et en Côte d'Ivoire et faire le même projet dans des pays européens. Donc on est désolé qu'elles ne soient pas présentes avec nous. Est-ce que peut-être, pour conclure, est-ce que chacun d'entre vous peut dire en un ou deux mots ce que doit être la solidarité internationale de demain ? Tu as déjà dit quelques mots, mais tu peux. Jonas ? Je préfère laisser l'honneur aux dames de commencer. on l'a déjà dit, mais moi j'aurais dit échange du coup. Bah nous, notre poste, c'est échange, mais je pense que l'échange, c'est très important, tant au niveau culturel, économique et politique. Valérie ? Moi, j'ai envie de dire valorisation, notamment pour toutes les personnes ici qui s'intéressent vraiment au continent africain. Ne vous arrêtez pas aux grandes ONG, aux grandes structures que vous connaissez. Intéressez-vous vraiment aux acteurs locaux, ceux qui sont sur le terrain, que vous connaissez peut-être un peu moins, et engagez-vous auprès d'eux. Directement, soutenez-les financièrement avec votre temps, avec votre engagement, mais vraiment valoriser aussi les acteurs de tous les jours. Moi, je vais rester sur la remise en question. Je pense que, même vis-à-vis de notre projet pour lequel j'étais déjà assez sûre de nos idées, même là, à travers ce sommet, j'ai pas cessé de me remettre en question, donc je pense que c'est important. Un mot jeunesse, le meilleur pour la fin. Alors, pour moi, la solidarité internationale de demain, ça doit être un partenariat d'égal à égal. Qu'il n'y ait pas d'injustice, on ne part pas aider quelqu'un, mais on travaille ensemble. On construit quelque chose pour l'avenir de demain, pour des générations futures qui vont venir. C'est ça pour moi la solidarité internationale de demain. Ça doit être basé sur un partenariat d'égal à égal et non une vision. Moi, je t'apporte ceci, je te donne ceci, que ce soit moi les donneurs et toi les receveurs. Non, pas du tout. Ben, merci à tous les cas. Oui, attendez. Le respect, d'accord. Oui, tout à fait, évidemment. Ça rentre dans l'égal à égal, arrêter les injustices et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, merci à vous d'avoir été là pour cette table ronde. On a vraiment voulu mettre en avant la parole de jeunes engagés en association notamment, parce qu'ils n'étaient pas représentés au sommet officiel où c'était des écrivains, des blogueurs, des chercheurs, et pas des jeunes qui s'engagent aussi auprès d'associations. Donc on espère que ça a permis aussi pour vous de vous réimaginer une solidarité internationale de demain. Basé sur le respect, le partenariat, l'échange, la co-construction, et aussi se dire que la solidarité internationale, on peut la faire nous-mêmes tous les jours, et que tout reste aussi à inventer et réinventer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.